Nous parlions à l'instant, figurez-vous, du traité de la journée. Belle affaire, n'est-il pas? Nous en étions justement à cet instant où Charette, précisément, venait de découvrir la mort du roi Louis XVII. De poudre, de fusil, de canon. Vous savez, celui qui interviendra au mois d'août. Vers le 10 août à Saint-Jean-de-Mont. Voulez-vous que nous conversions sur ces différents épisodes en toute sympathie et de manière pacifique? Écoutez, pour aujourd'hui, nous y consentons. Eh bien, écoutez, j'aurai plaisir à vous inviter à ma table à la fin de brigade. Ce sera un plaisir de ce jeune homme. Ils s'ennuient un peu chez eux, ils se sont dit dimanche après-midi, nous allons nous aérer. Vous avez bien connu. Certes, le temps est là, il est positif, le soleil nous accompagne. Et c'est vrai que tous ces arbres ont un renfermement un peu de soleil. Alors, nous sommes ici. S'annonce particulièrement mauvais pour lui. Il y a eu un traité avec les Espagnols, les armées du Pyrénées, et on repart tout sur la côte, à partir de Saint-Gilles-Croix-de-Vivre, même sur mer, tout ça là, en remontant vers Noirmoutier, on a densifié la présence des Bleus sur toute la côte pour essayer d'éviter un débarquement.